On va laisser la poésie pour un temps, on va aller plus près de mon métier. Je vais maintenant vous présenter, vous lire une plaidoirie prononcée par un avocat célèbre, Cicéron, en 63 avant Jésus-Christ, à l'occasion de ce que les historiens appellent la deuxième conjuration, conspiration de Catilina. Cicéron, cette année-là, en 63, était consul. Vous le savez sans doute, c'était la dignité suprême à Rome, c'était le fonctionnaire, si je peux m'exprimer ainsi, ou l'officier public le plus important, c'était celui qui avait le pouvoir militaire. Ils étaient deux consuls, c'était donc ceux qui avaient le pouvoir militaire. Et on était à une époque très troublée. J'ai mentionné tout à l'heure Auguste, le premier empereur de Rome. On est en 63, la République existait depuis presque 400 ans, mais elle tirait à sa fin. L'harmonie entre les classes sociales qui avait permis cette république, qui reposait sur des compromis, des accords, comme toujours dans la société, était de plus en plus menacée. Il y avait des risques de guerre civile de plusieurs manières. Il y avait des mécontents, il y avait une quantité importante de gens que les circonstances économiques accablaient de dettes et qui ne pouvaient pas s'en tirer. Il y avait des ambitions. C'est l'époque, c'est un peu après que Sylla et Marius aient terrorisé l'Italie par leur guerre civile. Le désordre s'installait peu à peu. Et un certain individu, Catilina, d'origine très noble, certainement très doué, même au regard de ceux qui l'ont combattu, même au témoignage de ceux qui l'ont combattu, c'était un homme remarquable. Il était probablement en lien avec César. Peut-être que s'il avait réussi, César se serait montré. Peut-être qu'on aurait vu que César était derrière Catilina davantage. Mais comme il a échoué, il s'est gardé prudemment d'intervenir. Et comme vous le savez, lui-même a été assassiné en 44, si je me rappelle bien. Mais il était sur le point de devenir empereur. Probablement que s'il n'avait pas été assassiné, d'ailleurs il a été assassiné pour éviter qu'il ne devienne empereur, parce que ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont tué, pensaient qu'il avait l'ambition de devenir, ce qui était probablement le cas. Donc, on est dans les derniers soubresauts de la République. Il lui reste environ 25 ans à vivre. Et il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de guerre civile. Et ce monsieur Catilina est très ambitieux. Il a essayé par les voies constitutionnelles, par les voies normales, de devenir consul. Il en a été incapable. Cicéron l'a battu. Il a subi un procès parce que son administration de l'Afrique, après qu'il ait été prêteur, c'est le magistrat de la justice. Il a été prêteur urbain, donc prêteur des tribunaux de Rome, non pas des étrangers, mais des Romains. Il a été administré l'Afrique après, il a été accusé de concussion, ça l'a empêché de gagner l'élection de 65. Ensuite, il a été accusé d'avoir, imaginez-vous, couché avec une vestale. Les vestales étaient ces prêtresses romaines qui étaient chargées de maintenir intact le feu sacré. Elles devaient être vierges et le rester. Et tout manquement à cette obligation cruciale pour la survie de l'État se traduisait par le fait qu'elles étaient enterrées vives et que le complice était mis à mort. Alors, il a été accusé d'avoir eu des relations illicites avec une vestale qui était de plus apparente. Il a été acquitté encore une fois, ça l'a empêché d'être nommé consul en 63. Alors, il était là d'attendre. Il a donc réuni autour de lui toutes sortes de mécontents. Et on est à l'automne de l'année 63 avant Jésus-Christ. Cicéron, dans une circonstance bien moderne, était au courant des activités de Catilina parce que Catilina avait des complices et que l'un de ses complices avait comme maîtresse une certaine Fulvia, une femme très active à l'époque, et que Fulvia racontait tout à Cicéron. Donc c'était une source, comme on dirait aujourd'hui. C'était une source et Cicéron était parfaitement bien informé des intentions de Catilina. Et le 7 novembre, il apprend que Catilina voulait le faire assassiner, incendier Rome, attaquer le Sénat. Le Sénat est un organe législatif, si vous voulez, qui, de concert avec les consuls, dirigeait tout l'Empire romain. Alors donc, il apprend que la conspiration est sur le point d'aboutir. Alors, le 7 novembre, il se met à l'abri, on ne peut pas l'assassiner. Et le 8 novembre, muni de ce qu'on appelait le Senatus Consultum Ultimum, c'est-à-dire la décision du Sénat ultime, c'était le transfert de tous les pouvoirs au consul, transfert qui n'avait lieu que dans un cas d'extrême urgence, de crise extrême, et ceci donnait
au consul les pleins pouvoirs, y compris de faire mourir un citoyen romain sans procès, ce qui était vraiment exceptionnel, parce que vous vous rappelez dans les évangiles, saint Paul dit « Je suis citoyen romain, vous ne pouvez pas me faire mourir sans procès ». Alors, il a demandé son procès, il l'a eu d'ailleurs. Alors, mais le senatus consultum ultimum mettait fin à cette garantie constitutionnelle d'un procès avant la peine capitale, et Cicéron se les a fait donner. Donc, le 8 novembre, il prononce la première, ce qu'on appelle aujourd'hui, catilinaire, qu'on appelait dans l'Antiquité « oratio in catilinam », c'est-à-dire un discours, une plaidoirie contre Catilina. « In », c'est contre, et « pro », c'est pour. Donc, les plaidoyers pour quelqu'un, c'est « pro », et les réquisitoires contre quelqu'un, c'est « in ». Donc, il a prononcé le 8 novembre 63 cette première catilinaire où il apprend à Catilina, qui était devant lui dans le Sénat, il était juste à ses côtés, il lui apprend que ses menées sont découvertes, qu'il est renseigné, que lui et sa bande de complices feraient mieux de se sauver de Rome parce que les consuls sont vigilants, les sénateurs vont veiller au grain et il ne peut pas réussir. Alors, avant de vous lire ça, je vais vous donner quelques indications sur des expressions que vous allez rencontrer. Alors, Cicéron parle du tribunal du préteur urbain. Alors, je l'ai déjà mentionné, le préteur urbain, c'était le magistrat qui avait la haute main sur l'administration de la justice des Romains, à Rome des Romains. Il y avait aussi un préteur des étrangers, Peregrinus, qui lui s'occupait des relations avec les peuples étrangers qui séjournaient à Rome. Il était moins important. Mais le préteur urbain, c'était un fonctionnaire très important qui était le chef de la justice administrée aux citoyens romains. On parle également de la curie. La curie, c'était le siège du Sénat. Il s'adresse au sénateur en disant « Père conscrit », en latin « patres conscripti ». Alors, ça veut dire « les sénateurs ». On appelait les sénateurs par un terme de respect, « père conscrit ». Il parle aussi des chevaliers romains. Les chevaliers romains, c'est un peu la classe aisée, c'est les gens qui ont les moyens de s'acheter un cheval dans l'armée, qui sont capables d'être dans la cavalerie, donc qui ont une certaine fortune, ils sont un facteur de stabilité. C'est des gens qui, en général, sont du côté des consuls et qui sont plus ou moins conservateurs, ayant évidemment plus à perdre dans les troupes populaires que ceux qui n'ont rien. Alors, il parle des chevaliers romains, donc ce sont les gens aisés, si vous voulez. Il reproche à Catilina son parricide. Vous allez voir, il lui reproche un parricide. Ça ne veut pas dire que Catilina a tué son père, mais dans l'Antiquité, on appelait parricide beaucoup de crimes qui se rapprochaient vaguement du parricide, comme celui qui s'attaquait à son pays, qui est un peu sa mère, ou encore aux officiers suprêmes, comme les consuls, sont un peu les pères. Les sénateurs, je viens de dire qu'ils s'appelaient les pères conscrits. Donc, le parricide s'entendait d'une façon beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Alors, c'est un crime dirigé contre quelque chose de sacré ou de très élevé dans la hiérarchie. Il invoque Jupiter à un moment donné. Il invoque Jupiter qui avait à Rome plusieurs surnoms. Il était connu notamment comme Jupiter Stator, celui qui conserve, celui qui tient, qui fait que les choses se tiennent. Et il avait deux temples où il était honoré ou adoré comme Stator, c'est-à-dire celui qui tient ensemble l'Empire romain, qui nous conserve tous dans l'ordre romain. Et vous allez voir, Cicéron dit que Jupiter, que Romulus, le même jour, au même moment où il a fondé la ville de Rome, en traçant le cercle, comme vous le savez, et tout de suite après, il a tué son frère Rémus, qui l'a franchi en riant. Alors donc, le même jour où il a fondé Rome, en 753 avant Jésus-Christ, alors, il a fondé le temple de Jupiter Stator. Ce serait beau si c'était vrai, mais le temple le plus ancien de Jupiter Stator datait de 294, 500 ans après la fondation de Rome, ou 450 ans après la fondation de Rome. Donc, c'était une belle image, mais ce n'est pas tout à fait exact. Une dernière remarque avant de vous lire ma traduction de cette plaidoirie. Les orateurs romains, qui étaient d'excellents orateurs, et l'art oratoire à Rome avait beaucoup plus d'importance qu'ici, beaucoup de choses se décidaient par des discours, comme en Grèce d'ailleurs, il y avait des assemblées extrêmement puissantes qui se motivaient par des discours.
Ici, vous allez me dire, on a l'Assemblée nationale, mais tout est joué d'avance. Le parti qui a une majorité est sûr de faire passer son projet de loi. Mais dans l'Antiquité, la parole orale, les discours étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui et l'art oratoire était cultivé de façon beaucoup plus soignée qu'aujourd'hui. Et les orateurs romains avaient développé l'habitude de terminer leurs phrases avec des formules, des rythmes majestueux. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit sur les longues et les brèves. Donc, c'est pas de la poésie. Sauf qu'il y a des clausules, des fins de phrases qui, pour eux, avaient de la majesté, avaient de l'emphase et finissaient en beauté un développement ou une phrase importante. Et ils essayaient, à la fin de leur phrase, de reproduire ces rythmes. Alors, vous allez voir, cet extrait se termine par une invocation à Jupiter de punir les méchants dont il s'agit, de supplice éternel. Et en latin, ça se dit... Aeternis supplicis vivos mortuosque mactabis. C'est vraiment très pompeux, très impressionnant comme rythme. Et les orateurs romains cultivaient sciemment cette science de finir leur développement par des rythmes imposants, des rythmes majestueux et sévères. Alors donc, extrait de la... En fait, c'est la fin. Ce sont les dernières lignes de la première catilinaire de Cicéron. C'est pourquoi il faut que les méchants s'en aillent, qu'ils se séparent des bons, qu'ils se rassemblent en un lieu, qu'un mur, enfin, comme je l'ai dit souvent, les sépare de nous, qu'ils cessent de manigancer contre le consul dans sa propre demeure, d'entourer le tribunal du préteur urbain, d'assiéger en armes la curie, de préparer torches et flèches incendiaires destinées à l'incendie de la ville. Qu'enfin l'on puisse apercevoir, écrit sur le visage de chacun, son sentiment sur notre République. Je vous promets, père conscrit, que l'on trouvera tant de zèle chez nous les consuls, tant d'autorité dans vos rangs, tant de courage chez les chevaliers romains, et un accord si parfait entre toutes les classes de l'État, qu'au départ de Catilina, toutes choses vous apparaîtront découvertes, manifestes, punies et vengées. Et toi, Catilina, voici ce que je te prédis. Tu quitteras ces lieux pour le plus grand bien de la République, pour la perte et la destruction de toi et de tous ceux qui se sont joints à tes crimes et à ton parricide, en menant contre nous une guerre impie et néfaste. Et toi, Jupiter, toi qui fus établi par Romulus sous les mêmes auspices qui ont vu la naissance de Rome, que nous appelons conservateur de cette ville et de cet empire, tu sauras conserver ce temple, les temples des autres dieux. Tu écarteras tout péril de nos toits et de nos murailles. Tu protégeras la vie et la fortune des citoyens et des hommes de bien contre les menées de cet ennemi de la patrie. Et tu frapperas ce ramassis des bandits de toute l'Italie, unis entre eux par la communauté de leurs crimes et une association répugnante. Tu les frapperas, dis-je, vivants ou morts, de supplice éternel. Thank you.
Mon dernier texte est encore un poème en hexamètre héroïque. D'Ovide. Ovide est surtout connu pour ses métamorphoses, quoiqu'il a composé d'autres très belles œuvres. Les métamorphoses en 12 livres, totalement composés d'hexamètres héroïques, comme je disais, en 12 livres, racontent les transformations d'humains en fleurs, animaux, dieux, phénomènes atmosphériques, etc., etc. Donc, la mythologie ou les mythologies grecques et latines étaient remplies de ces transformations qui expliquaient le pourquoi de certaines choses, pourquoi les fleurs avaient telle couleur, pourquoi le jour succédait à la nuit. Alors, c'était des explications évidemment non scientifiques, j'en conviens, mais extrêmement poétiques. Il y en avait des centaines, sinon des milliers. Et Ovide s'est donné comme tâche, toujours à la même époque, tous mes textes sont tirés de... sauf Cicéron qui est un peu antérieur là, de l'époque impériale, du début de l'époque impériale, qui est l'âge d'or de la littérature latine, bien entendu, et de loin. Alors, Ovide disait, s'est donné comme tâche de raconter toutes ces métamorphoses en vers, dans une forme poétique très très belle. Et je vais vous lire un extrait du 10e livre qui traite de la transformation d'Adonis. Tout le monde connaît le mot Adonis parce que ça désigne aujourd'hui un beau jeune homme, un beau garçon, mais Ovide explique la fin d'Adonis. C'est le même vers que le premier poème que je vous ai lu. Évidemment, il est manié par un autre poète, il a un caractère légèrement différent. Je dois concéder que les vers de Virgile me paraissent mieux construits, beaucoup plus poétiques et plus beaux que ceux d'Ovide, mais ils sont quand même... Très bien. Alors, si vous reprenez le texte latin du quatrième texte, Ovidius metamorphoseon liber decimus, alors vous allez reconnaître le même rythme. Si on lit, par exemple, les premiers vers, illa quidem monuit junctis quiperae racugnis. Alors, c'est le rythme tellement régulier de l'hexamètre là, qui n'arrête jamais. Carpit iter sed stat monitis contraria virtus. Forte suem latibris vestigia certa secuti. Et ainsi de suite. Bon. Alors, pour mieux comprendre ce texte, je vous dirai quelques mots sur la transformation d'Adonis. Adonis était le fruit des amours incestueuses d'une fille, Myra, avec son propre père, Cinéras. Et Vénus, pour une raison qui importe peu, s'était amusée, méchamment peut-être, à allumer dans le sein de Myra cet amour interdit pour son père. L'amour avait été fécond et Adonis en était né. Il était d'une beauté extraordinaire, il se plaisait à la chasse. Et Vénus a été punie pour avoir joué ce mauvais tour à la pauvre Myra. Parce qu'un jour qu'elle jouait avec son fils, le petit Eros, ou Cupidon en latin, il l'a effleuré d'une flèche de son carquois et elle qui a rendu, en donnant ordre à son petit garçon de tirer sur un tel ou un tel, tellement de personnes follement amoureuses pour parfois leur plus grand malheur. Alors c'est elle-même qui a été un peu contaminée par son petit Cupidon et qui a conçu pour Adonis une passion extrême. Donc elle déserte l'Olympe, elle déserte la demeure des dieux, les temples où elle était honorée, on l'a vu à Cythère, à Paphos, partout, et elle se fait la compagne d'Adonis. Mais Vénus n'est pas Diane, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui en termes modernes une poupoune. Alors elle a besoin de ses trousses de maquillage, de toute sa beauté, il faut qu'elle prenne soin d'elle, alors que Adonis passait ses journées à courir monts et vallées pour chasser les bêtes, sangliers notamment. Alors donc, ce n'était pas du tout naturel pour elle, c'était naturel pour la déesse Artémis, alias Diane, de la chasse, mais pas du tout pour Vénus Aphrodite. Mais malgré tout, malgré qu'elle n'est pas confortable dans ce milieu, elle délaisse tout pour s'attacher au jeune Adonis, dont elle est follement amoureuse, et elle essaie de le convaincre de ne pas chasser les animaux qui se défendent. Elle lui dit « chasse les lièvres ». Les oiseaux chassent les lapins, les biches qui sont sans défense, mais ne chassent pas les loups, les lions, les sangliers qui ont des défenses, qui font face, qui contre-attaquent. Fais-le pour moi, fais-le par amour, je voudrais surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Bon. Alors, elle raconte justement, après avoir donné ses conseils, ou plutôt d'avoir
donner ses injonctions, parce que c'est presque un ordre qu'elle lui donne à Adonis. Elle lui raconte l'histoire d'Atalante et qui a été battue à la course par Hippomène, mais après avoir mis à mort plusieurs jeunes garçons qui voulaient l'épouser s'il la battait à la course. Elle lui raconte une très belle histoire. Et c'est une espèce de récit dans le récit. Puis elle revient à Durgation, ne chasse pas les animaux qui te font face, chasse les animaux qui ne se défendent pas. Alors, et ensuite, elle le laisse parce qu'elle doit aller dans un temple à Chypre. Là, c'est aussi une des places où elle était particulièrement honorée. Alors, je vais vous expliquer quelques-uns des passages de ce très beau texte qui pourrait être d'une compréhension difficile pour des modernes. Alors, comme je vous le mentionnais, les anciens avaient une richesse de vocabulaire poétique prodigieuse, comme Adonis, on peut l'appeler Adonis, mais on peut l'appeler aussi Cunereus, c'est-à-dire le fils de Cinéras. Alors, il était le fils de Cinéras, donc il avait un nom qui était tiré de celui de son père. Chypre, j'en parle, c'est parce qu'il y avait un temple. Et elle prophétise, vous allez voir qu'Adonis ne suit pas son conseil et meurt, elle prophétise sur son corps étendu et sur son sang que chaque année, la mémoire de ses douleurs à elle, Aphrodite, Vénus, va être commémorée, ne sera jamais perdue, parce qu'à chaque année, à l'été, on va célébrer la mort d'Adonis et éventuellement, on va célébrer sa résurrection. Alors, elle ne donne pas tous ces détails, mais elle dit que ce qui vient de se jouer sera rejoué à chaque année sous forme de scène ou de théâtre, et que ainsi le souvenir de sa mort et de sa douleur à elle va se perpétuer toujours. Et elle mentionne aussi Perséphone. Perséphone, c'est l'épouse du dieu des enfers. Le dieu des enfers, Hadès grec et Pluton romain, était tombé amoureux d'une nymphe. Tout le monde tombait amoureux des nymphes. C'était banal. Il était tombé amoureux d'une nymphe qui s'appelait Minté, TH et accent aigu. Et Perséphone avait découvert l'intrigue et de jalousie, elle avait démembré la nymphe. Elle l'avait découpée carrément en morceaux. Bon. Mais on avait obtenu qu'elle soit finalement transformée en menthe. Minté, le mot menthe existait aussi dans les langues anciennes, alors que Minté soit transformée dans le plan de menthe qui sent si bon. Alors donc, elle a été démembrée, mais elle a revécu, je vous parlais de métamorphose, c'en est encore une, elle a revécu sous la forme de cette plante odorante, la menthe. Alors, vous allez voir que Vénus apostrophe Perséphone, elle lui dit, on a obtenu de toi que Minté survive sous forme d'une plante, alors pourquoi est-ce que mon Adonis n'aurait pas le même sort? Et elle obtient finalement qu'il survive sous forme d'une fleur qui est la couleur de son sang, l'anémone, qui est une fleur très fragile que un vent fait tomber. Et soit dit en passant, ce mythe d'Adonis, ce culte d'Adonis qui est originaire de Syrie, donc de l'Orient, qui date de quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, a consisté au début, je vous l'ai dit, dans le rappel liturgique ou symbolique de la mort d'Adonis, dans les lamentations des pleureuses sur sa mort, etc. Et après quelques temps, s'est joint le rappel de sa résurrection. Et les premiers auteurs chrétiens n'ont pas manqué, ou certains commentateurs n'ont pas manqué de voir une filiation presque directe entre ce héros d'une beauté parfaite qui est saigné à mort, dont le sang s'écoule, et la légende voulait qu'il soit descendu aux enfers et qu'il ait ressuscité un peu plus tard. Donc, il est beau, il est saigné à mort, il descend aux enfers, il remonte et il ressuscite. Ça rappelle étrangement le mythe fondateur du christianisme, vous en conviendrez. Là, il y a beaucoup de communautés, de détails avec le mythe de la mort et de la résurrection. Je dis le mythe dans le sens grec du terme, là, l'ensemble des circonstances,
pour plusieurs, ça n'est pas du tout un mythe, c'est la vérité absolue, là, mais restons dans le domaine de la mythologie où on est. Alors, si on le considère comme un mythe, c'est quelque chose qui est excessivement semblable à celui d'Adonis. Il y a probablement, en tout cas, possiblement une filiation entre les deux, tant il y a d'éléments communs entre ces deux histoires. Donc, le texte que je vais lire, c'est après que Vénus ait enjoint Adonis de ne pas se livrer à des chasses dangereuses. Elle repart avec... Elle se promenait, madame, dans un char ailé, évidemment, tiré par des cygnes, un des plus beaux oiseaux, plus gracieux. Alors, elle se promenait dans son char tiré par des cygnes. Alors, elle laisse ses consignes de sécurité à Adonis et retourne à Chypre où ses affaires l'appellent. Et voici ce qui arrive. La déesse, ayant ainsi parlé, elle fend les airs dans son char tiré par des cygnes. Mais le courage d'Adonis méprise les avertissements reçus. Il arriva que ses chiens, conduits par des pistes fraîches, forcèrent un sanglier dans sa bouge. Comme il s'apprêtait à quitter la forêt, le fils de Cinéras l'avait touché au flanc avec son épieu. Aussitôt, la bête arrache le trait rougi de son sang par un coup de ses défenses courbes et donne la chasse au jeune homme tremblant qui cherche à se mettre à l'abri. Elle lui enfonce dans l'aine ses défenses tout entières et couche le moribond sur le sable blanc. Cependant, Vénus, emportée au ciel sur son char léger, n'avait pas encore atteint Chypre au vol de ses oiseaux. Elle reconnaît au loin le gémissement du mourant et dirige vers Adonis la course de ses cygnes immaculés. Comme, du haut des cieux, elle vit son corps inanimé baignant dans son sang, elle sauta de son char, déchirant à la fois son sein et ses cheveux, et frappant sa poitrine de ses mains désespérées. Elle dit, s'en prenant au destin, « Votre victoire ne sera pas complète. Ô mon Adonis, je laisserai pour toujours des marques de ma douleur. La scène de ta mort, rejouée à chaque année, perpétuera le souvenir de mes plaintes, et ton sang sera changé en fleurs. Eh bien, Perséphone, toi qui jadis permis que les membres d'une femme soient transformés en feuilles de menthe odorante, nous refuseras-tu le même privilège pour ce héros, fils de Cinéras ? Ayant ainsi parlé, elle verse sur le sang de son amant un nectar parfumé. Aussitôt, il bouillonne et une bulle transparente s'élève de cette fange. Avant qu'il ne s'écoule une heure, une fleur naquit de ce sang, de la même couleur que lui, et rappelant celle du fruit du grenadier qui cache ses graines sous une souple écorce. Cette fleur, cependant, est éphémère. En effet, mal attachée à sa tige et extrêmement légère, elle tombe au souffle du moindre vent, d'où son nom d'anémone.